Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de découvrir quelques lectures que j'ai faites cet automne et je commence tout de suite avec un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Il s'agit du Moulin sur la Flosse de George Eliot. George Eliot, c'est une autrice de l'époque victorienne qui est très connue dans son pays, le Royaume-Uni, mais beaucoup moins connue en France que ses compatriotes Jane Austen, les sœurs Brontë, Mary Shelley, etc. Pourtant, ces romans qui se passent dans la campagne anglaise sont reconnus pour leur réalisme et pour également la grande profondeur psychologique des personnages. Ce roman est considéré comme le plus autobiographique de toute l'œuvre de George Eliot. Dans Le Moulin sur la Flosse, le moulin en question est exploité depuis une centaine d'années par la famille Tulliver, dont les deux enfants, Maggie et Tom, vivent une enfance idyllique auprès de leurs parents aimants. Et Maggie, qui est l'héroïne principale de ce livre, est une jeune fille particulièrement proche de son grand frère Tom. Elle-même a une personnalité très vive, elle est très intelligente, elle aime beaucoup lire, donc elle est assez cultivée. Pour autant, elle est un peu sauvageonne et ça ne plaît pas forcément à sa famille maternelle. Tom, de son côté, est un enfant plus conventionnel et comme souvent à cette époque, il y avait beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis des garçons. Et ce jeune homme qui n'est pas forcément très intelligent, en tout cas beaucoup moins que sa sœur, pour autant se voit payer des études puisqu'il va partir chez un précepteur. Maggie, évidemment, n'a pas droit à cet investissement puisqu'elle est une fille et que l'éducation des filles est peu nécessaire, au contraire de celle des garçons. Pendant ce temps, leur père, Monsieur Tulliver, qui est une personne très querelleuse, va dépenser son temps, son énergie et son argent à intenter des procès à ses différents voisins pour des chicaneries administratives qui concernent l'usage des différentes propriétés jusqu'au procès de trop. Procès en fait qu'il perd parce que la partie adverse est défendue par un redoutable avocat, Monsieur Vakem. Et en fait ce procès de trop oblige Tulliver à vendre le moulin et donc fait subir à sa famille un déclassement social. Déclassement social qui les conduit à la pauvreté et amène sur lui la honte sociale. Ce père ne se remet pas de cette mésaventure et sur son lit de mort fait promettre une chose terrible à son fils. Il demande à Tom de se venger de Vakem, son ennemi mortel à ses yeux. Donc en fait Maggie et Tom se retrouvent dans deux situations très différentes. Tom doit travailler d'arrache-pied pour rembourser les dettes familiales et subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. Et pendant ce temps, Maggie vit une adolescence sans lumière, se voit cloîtrée chez elle avec sa mère par l'opprobre social qui les afflige. Et sa seule lueur d'espoir, de joie pendant cette adolescence triste, c'est Philippe Vakem, le fils de l'avocat détesté, qui, ce jeune homme, est en fait un... Et infirme, il est bossu et il est également extrêmement cultivé, extrêmement sensible, donc il y a vraiment une connexion qui se crée entre Maggie et Philippe, mais Tom, qui prend très à cœur son nouveau statut de chef de famille, met fin à cette idylle en arguant que ça n'est pas conforme à la promesse qu'il a faite à son père. Donc Maggie en fait passe à l'âge adulte et devient une très belle jeune femme, pour autant sans le sou, qui va vivre avec sa cousine Lucie, qui est beaucoup plus riche et avec qui elle s'entend énormément. Et elle se retrouve en fait tiraillée entre deux courtisans. D'abord Philippe Vakem, qui ne l'a pas oublié et qui ne désespère pas d'en faire sa femme. Et l'autre partie, c'est Stephen Guest, c'est-à-dire le fiancé de sa cousine Lucie, qu'elle adore. Voilà, donc je vous ai détaillé un petit peu l'intrigue pour que vous ayez un aperçu des différents enjeux. Dans ce roman, il y a vraiment deux parties.
La première partie est consacrée à l'enfance de Maggie et Tom, et c'est une enfance qui est dépeinte comme étant idyllique avec un ton naïf qui d'ailleurs moi m'a un peu barbée. C'était agréable, mais vraiment moi je m'ennuyais un petit peu parce que je n'aime pas trop cette façon, parce que je n'aime pas trop ça quand c'est naïf. Et l'autre partie en fait m'a beaucoup plus plu, c'est à partir du moment où le père perd son procès. À partir de ce moment-là, en fait, c'est beaucoup plus émouvant. On sent vraiment une autre la lumière qui s'éteint en fait dans ce roman. Il y a une dimension comique dans ce livre, notamment à travers la famille maternelle de Maggie et Tom. Ce sont les Dodson. C'est une famille qui a une éthique sociale bien à elle. Ils peuvent se montrer parfois cruels, mais également là où on ne les attendrait pas, ils pourront se montrer au contraire très, très gentils vis-à-vis de leurs parents déclassés. Donc c'est vraiment l'élément comique principal de ce livre. Livre qui pour autant est quand même relativement triste ou en tout cas dramatique. C'est l'histoire finalement terrible et assez commune d'une jeune femme qui essaie de briser des carcans sociaux dans une ville finalement où tout le monde se connaît et donc bien évidemment tout le monde se juge. C'est une question que connaît bien l'autrice puisque ayant vécu 20 ans avec un homme marié, elle sait qu'est-ce que c'est que de devenir paria dans une société particulièrement corsetée. Pour vous donner un aperçu question de... des carcans sociaux que pose l'autrice. Je vais vous lire un extrait qui intervient à la fin du livre. On ne pouvait certainement que blâmer la conduite de Miss Tulliver. Le docteur Ken lui-même en convenait. Comment pouvait-il donc interpréter sa conduite avec tant de bienveillance? En supposant même, bien que cette supposition fût invraisemblable, qu'aucune des choses racontées sur Maggie n'était vraie, du moins qu'on les avait racontées, elles avaient fait naître au sujet de cette jeune personne des doutes suffisants pour que s'écartent d'elle toutes les femmes soucieuses de leur réputation et du bien de la société. Fallait-il aller trouver Maggie et lui dire « Je ne croirai pas le mal que l'on dit de vous sans en avoir la preuve. Mes lèvres ne le proféreront pas, mes oreilles ne voudront pas l'entendre. Car moi aussi, pauvre mortel, je puis trébucher et n'être pas assez forte pour atteindre le but que je m'étais proposé. » Votre sort a été plus triste que le mien, votre tentation fut plus grande, aidons-nous mutuellement à résister, à marcher sans tomber à nouveau. Faire cela aurait exigé du courage, une profonde pitié, une sage connaissance de soi-même, une confiance généreuse. Cela aurait demandé un esprit peu porté à médire, peu enclin à se croire meilleur en accusant autrui, peu soucieux des grands mots que d'aucuns croient nécessaires pour se rappeler que la vie n'a pas de but moral, ni un sentiment religieux élevé sans des efforts continuels vers la vérité parfaite, vers la justice, vers la charité et la bienveillance à l'égard de tous ceux dont le chemin croise le nôtre. Les dames de Saint-Ogs ne se laissaient pas séduire par des spéculations de l'esprit, mais elles avaient leur grand mot favori, c'était « la société ». Ce mot servait à mettre leur conscience parfaitement à l'aise tout en leur permettant de satisfaire leur propre égoïsme, en l'occurrence de penser et de dire le plus de mal possible de Maggie Tulliver et de lui tourner le dos. Quelle cruelle déception pour le docteur Ken que de s'apercevoir, soudain après 2 ans de coups d'encensoir exagérés de la part de ses paroissiennes, qu'elles maintenaient obstinément leurs opinions contre ce qu'il s'efforçait de leur faire comprendre. Il se dit qu'elles les maintenaient, ces opinions, contre une autorité bien plus élevée qu'elles respectaient depuis plus longtemps que lui-même. Dans ce microcosme qu'est le village, le monde extérieur n'est jamais évoqué, mis à part lorsqu'il concerne la société d'import-export dans laquelle travaille Tom, ce qui montre bien que le monde extérieur est l'apanage des hommes dans cette société et que les femmes, en fait, sont condamnées à rester cloîtrées chez elles dans ce microcosme qui, justement, les broie. Maggie et Tom sont réduits à la pauvreté à cause de leur père, à cause de son entêtement à vouloir faire des procès sans fin et qui n'ont pas de sens. Et au lieu, au moment de sa chute, de se dire « oui, j'ai péché, oui, je me suis trompée, oui, je peux me ressaisir pour le bien de mes enfants et l'honneur de ma famille », au contraire, ils s'entêtent et finalement, en leur demandant de se venger,
Il leur lance une malédiction, les condamnant à reproduire ce que lui-même a fait, c'est-à-dire à reporter sa propre faute sur les autres. Tom finalement s'en sort en travaillant d'arrache-pied et petit à petit, par son sérieux et sa grande capacité de travail, arrive à faire progresser sa carrière, mais Maggie finalement est contrainte à voir ses sentiments mis de côté et niés à cause d'une promesse en fait qu'elle n'a pas faite, qui a été faite par son frère à son père. Donc ça montre bien la mainmise des hommes sur les femmes. Et Tom qui prend très 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 à cœur son rôle social, finalement par fatuité considère Maggie comme étant un être très aimable et avec qui il a partagé beaucoup de choses dans l'enfance, mais qui est un être inférieur et faible de cœur et donc doit être protégé, y compris contre elle-même. Par ailleurs, le personnage du frère, moi je l'ai détesté tout simplement, je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop fat en fait, mais je le vois avec mes yeux de femme du 21e siècle et je comprends en le lisant qu'il a la réaction en fait qui était à peu près appropriée à l'époque, quoique un peu dure, mais qui permettait de garder une forme d'équilibre social dont la liberté des individus n'était pas la principale préoccupation. En fait, le drame de Maggie à mes yeux, c'est qu'elle n'a pas découvert le féminisme, c'est qu'elle n'a pas réussi en fait à mettre des mots sur les mots qu'elle vivait, et qu'en fait ça lui aurait permis de prendre du recul sur sa situation, sur son infortune, et de comprendre qui sont les véritables responsables de sa situation. La seule solution pour elle, ça serait de devenir une paria, mais ça voudrait dire renoncer à sa fidélité familiale qui a été la pierre angulaire de son éducation. Donc je vous laisse découvrir quel choix elle a fait à la fin. C'est une écriture qui était très lyrique, très émouvante. Je vous lis un extrait qui se situe en fait au moment où les enfants ont appris que le père avait perdu le procès et qu'ils doivent rentrer chez eux. Ils s'en allaient ensemble vers leur nouvelle vie. Des années d'amertume où pour eux le soleil ne brillerait plus jamais sans que l'obscurcisse la pensée de leur malheur. Ils entraient dans le désert aux épines, et les portes dorées de l'enfance s'étaient fermées à jamais pour eux. Dans ce livre, la psychologie des personnages est extrêmement travaillée. C'était vraiment un plaisir à lire une telle profondeur psychologique. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette lecture et je vous la recommande très 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 chaudement. Il s'agit du Moulin sur la flosse de George Eliot. Le livre suivant est un ouvrage de science-fiction. Il s'agit des Abysses de Rivers Solomon. Rivers Solomon est une autrice américaine qui se définit comme étant non-binaire. Je tiens à préciser qu'elle accepte qu'en français nous utilisions le pronom « elle », donc c'est ce que je vais faire afin de respecter son choix. Elle a écrit plusieurs œuvres associées à la science-fiction et également au mouvement qu'on appelle de l'afrofuturisme. Et Les Abysses est son deuxième roman sur trois actuellement. Dans cette histoire, en fait, il est dit qu'à l'époque du commerce triangulaire, les esclaves enceintes étaient jetées par-dessus bord et certains des enfants qu'elles portaient ont survécu en développant des branchies et d'autres choses leur permettant de désormais être des créatures de la mer. Ces premiers enfants, qui étaient les Oti Aleyu, ont fondé une race en fait qui vit dans les abîmes, qui sont des sortes de sirènes, qui s'appelle le peuple des Wajinru. C'est un peuple qui a la particularité de vivre sans mémoire, donc qui ne se rappelle pas ses origines et qui même retient assez peu de choses en termes de mémoire immédiate, mis à part une personne qui est désignée par la communauté, qui a un statut très important, qui est appelée l'historien. C'est une personne qui recueille tous les souvenirs de tout son peuple, depuis les violences de leurs origines jusqu'au moment présent. Et régulièrement, la cérémonie du don de mémoire voit se retrouver tous les Wajinru qui acceptent de prendre tous les souvenirs que leur donne l'historien, se remémorent tous ensemble leur histoire et ensuite redonnent à cet historien tous ses souvenirs.
C'est des souvenirs qui sont extrêmement difficiles puisque c'est des souvenirs de violence, c'est des souvenirs qui vraiment demandent une très grande force d'âme. Et l'historienne actuelle, qui est plus ou moins une adolescente, Yetou, elle en fait ne supporte pas son travail d'historienne. Et même si elle jouit d'une grande considération dans son peuple, elle a beaucoup de mal à vivre avec cela. Elle a beaucoup de mal à vivre avec ce qu'elle considère comme une malédiction. Et un jour, elle décide, lors d'une cérémonie du don de mémoire, de donner tous ses souvenirs à son peuple, mais pas de les reprendre. Elle s'enfuit, elle part vers la surface et elle va rencontrer d'autres créatures, notamment des humains qui vont l'amener à réfléchir sur son travail d'historien et sur le passé de son peuple. Afin que vous compreniez les enjeux auxquels est confrontée Yetou, je vais vous lire un dialogue qu'elle a avec un personnage humain dont elle fait la connaissance et avec qui elle s'entend bien. « Historienne, ajouta Yetou, c'était un travail sacré pour mon peuple. C'était moi qui conservais tous les souvenirs, ce qui libérait les autres de ce poids. Des générations et des générations de souvenirs. 600 ans de souffrance. Vous étiez conteuse, c'est ça ? Demanda Ori. Yetou secoua la tête. Tous les souvenirs de tous ceux qui ont vécu autrefois résidaient en moi et me paraissaient aussi réels que ma propre chair. Ces souvenirs étaient aussi les miens. Je marchais parmi eux. Ori, curieuse et captivée, hocha la tête. Touchée par les esprits, dit-elle. Par l'électricité, en fait, répliqua Yetou. Et ça faisait mal. J'ai abandonné tous ces souvenirs pour être libre. Pour pouvoir vivre. Ori regardait fixement la mer. J'accepterai de supporter toute la douleur du monde si ça signifie porter en moi toute la mémoire des Oshuben, mon peuple. Je connais à peine quelques histoires de la génération de mes parents. J'ai oublié notre langue. Comment avez-vous pu abandonner tout ça? Vous ne trouvez pas ça horrible de ne pas savoir qui vous êtes? Je sais qui je suis actuellement. Avant, je savais qu'ils étaient, qui ils voulaient que je sois, répondit Yetou. Et ça me tuait. Ça m'a tué. Je n'étais pas Yetou, j'étais le réceptacle de leurs caprices. Ohori secoua la tête et se leva dans l'eau du bassin. Mais toute votre histoire, vos ancêtres, c'est ça ce que vous êtes? Non, je suis qui je suis actuellement. Avant, je n'étais personne. Quand tu incarnes tous ceux qui ont vécu autrefois, quand tu existes pour tous ceux qui vivent aujourd'hui, tu n'es personne. Personne. Tu n'existes pas. Ce livre aborde de nombreuses questions. En tout premier lieu, c'est assez évident, la question de la place de la mémoire collective, du devoir de mémoire. Comment faire pour vivre avec ses souvenirs sans se laisser dominer par eux et notamment par la douleur qu'ils charrient. Ce que nous dit l'autrice, c'est que vivre trop dans ses souvenirs, en fait, nous fait perdre la notion de différence entre le passé et le présent. Et si on perd ce repère-là temporel, on s'enfonce dans le passé et finalement on va droit vers la mort. Évidemment, comme ça se passe dans l'océan, il est aussi question de préservation de la faune marine. La relation entre Yetou et sa mère est également très travaillée, elle est assez originale et bien traitée. Et la question des rencontres interespèces m'a semblé très intéressante. Également, ça n'est pas le sujet principal, mais c'est présent. Il y a la question en fait du genre, puisque je vous disais que l'autrice se définit comme non-binaire. Donc il y a des personnages qui sont non-binaires, les Wajinru, ça n'est pas très clair. Chez les Wajinru, le genre est plus flou que dans notre société où il peut être très marqué. Et ça n'est pas un hasard puisque dans chacun de ces livres, les personnages principaux sont soit non-binaires, soit intersexes. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, en fait, c'était d'avoir cette dimension qui est assez peu présente, en fait, dans la littérature en général et notamment dans la science-fiction. Et en plus, ça n'est pas, en fait, le propos principal de l'autrice, c'est juste une information qu'elle nous donne de temps en temps. Et moi, j'ai trouvé ça habile parce qu'en fait, plutôt que de faire un livre sur cette question-là, elle l'introduit comme étant quelque chose de normal et j'ai trouvé ça intéressant.
Globalement, c'est une écriture qui est très fluide, qui est aussi très incantatoire. Ça se lit extrêmement rapidement. Je crois que je l'ai lu en 24 heures. Bon, j'étais en vacances à ce moment-là, mais ça se lit vraiment très vite. Ça fait à peine 200 pages. Et j'ai également beaucoup apprécié une partie du récit qui est en fait le récit des premiers Oti Aleyu. Je vous disais, les Oti Aleyu, c'est les enfants en fait. Nés de mères esclaves, donc ils sont nés dans l'eau. Et la particularité, c'est que le narrateur qui nous le raconte, en fait, au lieu de dire je, utilise le pronom nous, ce que j'ai trouvé intéressant. Peut-être que c'est à mettre en relation avec le fait que l'autrice en anglais utilise le pronom they, je sais pas, mais en tout cas, ça m'y a fait penser et j'ai trouvé que c'est l'utilisation du pronom nous. Dans ce cas-là, donner vraiment une grande force poétique à cette partie du récit. C'était vraiment une lecture très originale qui me sortait de ma zone de confort et vraiment je l'ai beaucoup aimé, c'était très très rafraîchissant. Le prochain livre dont je vais vous parler s'appelle Le Sphinx et autres histoires de Edgar Allan Poe. Publié aux éditions Gallmeister. Je ne vais pas pouvoir vous le présenter en physique puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai rendu depuis. Je n'ai pas pu me le procurer pour cette vidéo, désolée. Je ne vous mets pas non plus l'image de couverture intégrée à la vidéo parce que, pour votre information, si vous ne le savez pas, ces images sont sous droit, elles appartiennent à l'éditeur. Et pour les utiliser, il me faudrait non seulement leur demander l'autorisation, mais probablement également payer, ce que je ne souhaite pas faire. Donc afin de rester dans la légalité, je ne les affiche pas. Je vous le dis pour information. Voilà, si vous voyez d'autres personnes sur Internet le faire, demandez-vous si elles ont payé, si ils ou elles ont payé des droits à l'éditeur. Ce livre, je l'ai lu dans le cadre du Literaton gothique de Nabolita, qu'elle a organisé. Entre début octobre et mi-novembre. C'était l'occasion en fait de lire des ouvrages en rapport avec le genre gothique. Donc Edgar Allan Poe évidemment était tout trouvé. C'était la première fois que je lisais un recueil entier de ses nouvelles. J'en connaissais quelques-unes par-ci par-là. Edgar Allan Poe, c'est vraiment le grand maître de la nouvelle. C'est le père du roman policier et fantastique moderne. C'est un auteur vraiment incontournable dont de nombreux écrits ont révolutionné la littérature mondiale, pas moins. On pense par exemple au poème Le Corbeau, mais également à d'autres nouvelles très connues, Le Chat Noir, La Chute de la Maison Usher, La Lettre Volée, etc. Il a influencé de nombreux auteurs, parmi lesquels, excusez du nombre, Walt Whitman, Faulkner, Melville, London, Baudelaire, Mallarmé, Lovecraft, Bradbury, King, Wells, Verne, Villiers de l'Isle-Adam, Valéry, Proust, Wilde, Dostoïevski, Nabokov, Borges, Stevenson, Leroux, Conan Doyle, Nietzsche. Voilà, donc cette liste non exhaustive et qui vous montre le large panel d'auteurs qu'il a pu influencer, vous montre à quel point il a été important pour la littérature, quoi qu'aient pu en dire d'autres auteurs qui l'exécraient. Je pense à Henry James, je crois, qui disait que apprécier la littérature d'Edgar Allan Poe, c'était la preuve d'un esprit primitif inférieur ou quelque chose comme ça, bref. En fait, Edgar Allan Poe, il est très connu en France grâce particulièrement à la traduction qu'en a faite Charles Baudelaire, mais pas que, Mallarmé aussi l'avait traduit. Et Baudelaire l'a traduit sous la forme d'un recueil auquel il a donné le nom d'Histoires extraordinaires et ensuite des Nouvelles Histoires extraordinaires. Ça a vraiment permis de faire découvrir complètement cet auteur en France. Mais finalement, cette démocratisation s'est faite au prix d'un grand malentendu sur l'œuvre de Edgar Allan Poe, qui est souvent résumé à sa littérature fantastique et policière, alors qu'il a fait également beaucoup beaucoup d'œuvres qui sont très réalistes. Il y a également une partie de son œuvre est en fait satirique et il porte un regard vraiment acide sur l'époque. Il y a beaucoup beaucoup de références à la politique de son époque, la vie littéraire de son époque. On considère souvent que finalement Baudelaire a moins traduit qu'il n'a fait une réinterprétation d'Edgar Allan Poe. Et en fait, cette nouvelle traduction chez Gallmeister veut vraiment revenir au texte même et il y a un travail
incroyable de traduction qui est fait dans ce livre par les deux traducteurs qui s'appellent Pierre Bondil et Johan Le Ray. Ils ont décidé de traduire toutes les nouvelles d'Edgar Allan Poe en 3 tomes et celui que je vous présente est le 3e. En fait, on y découvre que Edgar Allan Poe a vraiment une langue incroyable, qu'il adore les jeux de mots, qu'il fait énormément de références à beaucoup de choses. C'est vraiment un orfèvre de la langue et ça, moi, je l'ignorais complètement et j'ai eu énormément de plaisir à le découvrir. Et le travail de traduction vraiment est impeccable. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de le découvrir par ce biais-là plutôt que par les histoires extraordinaires dont vraiment il faut savoir que voilà que c'est une mauvaise traduction. Ce gros travail de traduction a un désavantage, c'est que il y a énormément de notes de bas de page et parfois les notes de bas de page peuvent prendre jusqu'à 2/3 d'une page. Et au bout d'un moment, les notes de bas de page qui disent « Ah oui, mais ça fait référence à tel personnage de la vie publique de l'époque, telle politique, etc. » Bon, pour le lecteur français du 21e siècle, savoir que tel député de je ne sais quelle circonscription aux États-Unis est caricaturé, franchement, on s'en fout. Mais voilà, c'est vraiment intéressant quand même de le savoir. Et au bout d'un moment d'ailleurs, moi j'ai en fait j'ai arrêté de lire les notes de bas de page parce que vraiment ça me polluait la lecture. Mais en tout cas, la plupart du temps, elles étaient quand même très intéressantes et permettaient vraiment de comprendre cette lecture. Je prévois de faire une vidéo de justement de lecture de certaines de ces nouvelles. Mais pour ça, j'attends d'avoir soit récupéré le livre à la bibliothèque, soit de l'avoir acheté, on verra. Pour moi, ça a été une lecture en fait assez déstabilisante. D'abord parce que moi, je m'attendais surtout à des nouvelles fantastiques. Donc voilà, moi aussi, j'étais victime du malentendu dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, elles sont assez minoritaires dans ce tome. Peut-être qu'elles sont plus présentes dans les autres tomes, je ne sais pas. Passé cette déception-là, j'ai quand même réussi à apprécier certaines des nouvelles qui étaient proposées, mais ne vous attendez pas à lire uniquement des contes horrifiques ou fantastiques ou policiers parce que ça n'est pas majoritaire. Il y a une dimension satirique dans beaucoup de nouvelles et il y a également deux nouvelles qui, j'avoue, je les ai survolées. C'est des descriptions d'un jardin, donc c'était absolument assommant. Mais bon, ça a été écrit et publié par Edgar Allan Poe. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Edgar Allan Poe, il est très bavard dans ses livres et finalement, je me demande si parfois il se regarde pas un petit peu écrire. Et c'est dommage parce que parfois, en fait, on perd le rythme de certaines nouvelles. Je pense à une nouvelle qui est aussi connue que La Lettre volée, ici qui est appelée La Lettre dérobée. C'est une enquête policière qui est vraiment très agréable en tant que telle, mais les deux personnages principaux en fait ont une longue discussion dans la nouvelle qui est d'ordre métaphysique et en fait c'est vraiment c'est très pertinent certainement mais moi ça m'a assommé et j'ai trouvé que ça arrivait très régulièrement que y ait de longues digressions métaphysiques scientifiques, philosophiques, ce que vous voulez qui finalement était plus ennuyante qu'autre chose. Sa fascination pour la science m'a également un peu barbée parce que il y a énormément de références à la science dans ses nouvelles. Je pense par exemple à une histoire qui s'appelle Le Conte de la 1002e nuit qui en fait imagine que vous savez, dans Les Mille et Une Nuits, chez Razade, en fait, au bout de la 1001e nuit, le sultan décide de délivrer chez Razade de la malédiction dont étaient victimes les femmes avec qui il passait une nuit, c'est-à-dire d'être tuées à l'issue de cette nuit, et il en fait sa femme. Et en fait, Edgar Allan Poe part d'une idée originale en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé la 1002e nuit ?» Et en fait, la 1002e nuit, Scheherazade continue à raconter une histoire au sultan et elle lui raconte, en fait, sous forme de conte, comme s'il s'agissait de choses merveilleuses, des expériences scientifiques existantes ou bien des phénomènes naturels explicables scientifiquement, par exemple des aurores boréales, des choses comme ça, mais elle les raconte sous forme de conte. Et en fait, c'est ce qui constitue l'intégralité de la nouvelle.
Donc en fait, la nouvelle, c'est juste raconter ces choses-là de manière un peu merveilleuse et un peu étrange. Donc c'est truffé de notes de bas de page. C'est là d'ailleurs qu'il y a deux tiers d'une page qui sont prises par les notes de bas de page. La conclusion à laquelle on arrive, c'est que à la fin, le sultan, en fait, il dit « Mais arrête, tu me racontes absolument n'importe quoi. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi je t'ai gardé en vie. Allez, zigouillez-moi cette nana, j'aurais dû respecter mon souhait initial de tuer toutes les femmes avec qui je couche. » En plus, enfin, au-delà du fait que c'était très barbant ces aspects scientifiques, moi je me suis dit, mais c'est ça en fait la moralité de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, pendant mille et une nuits, il a cru à des contes fictionnels, mais il ne croit pas à la réalité puisqu'elle lui est présentée sous forme fictionnelle. Bon, bah j'ai trouvé ça un peu léger pour un auteur comme Edgar Allan Poe. Peut-être que j'aurais été plus indulgente avec un auteur moins connu, moins célèbre pour la grande qualité de ses nouvelles, mais j'ai trouvé ça non seulement chiant, mais en plus pas très intéressant. Pour autant, ce recueil en fait m'a vraiment vraiment permis de découvrir Edgar Allan Poe comme un novelliste de génie. Il y a vraiment un art de la nouvelle, une capacité à en fait créer une densité de l'histoire qui nous amène vers la chute soit qu'on voyait pas venir, soit qui donne énormément de sens à l'histoire, soit qui semble être vraiment la continuité naturelle. Donc ça, c'est vraiment le génie des auteurs de nouvelles en général, et Edgar Allan Poe montre que vraiment lui, c'est le maître dans ce genre-là. Paradoxalement, même si je n'ai pas apprécié cette lecture, j'ai quand même eu envie de lire d'autres nouvelles de Edgar Allan Poe, donc je pense que je vais me procurer les autres tomes des éditions Gallmeister afin de pouvoir lire toutes ces nouvelles. Et si l'ensemble ne m'a pas trop plu, il y a quand même certaines nouvelles que j'ai trouvées très plaisantes, très drôles, très prenante, très agréable à lire, et elles étaient peu nombreuses, mais en tout cas je ne les oublie pas. Donc il s'agissait du Sphinx et autres histoires d'Edgar Allan Poe. Maintenant je vais vous parler du troisième tome d'une série dont j'ai déjà parlé dans ces vidéos. Il s'agit du cycle d'Ender, et ici le tome 3 s'appelle Xénocide de Orson Scott Card. Le premier tome de ce cycle s'appelait La stratégie Ender, et le second, La Voix des Morts, et c'est du second dont j'avais parlé dans ma toute première vidéo. C'était le coup de cœur de la vidéo. Pour rappeler l'histoire, dans le premier tome, l'humanité a failli être détruite à deux reprises par une race extraterrestre qui s'appelle les Doriforts. Et afin d'éviter une troisième attaque qui serait fatale, ceux-ci entraînent dans une école militaire des enfants pour qu'ils deviennent les futurs commandants de la flotte spatiale humaine. Et dans cette école militaire, un jeune garçon de 6 ans fait son entrée, Andrew Wiggin alias Ender. Et il représente le plus grand espoir actuel de l'humanité pour vaincre les Doriforts. Et ses dons en stratégie lui valent aussi bien l'admiration que la jalousie de ses camarades. Au fur et à mesure de sa scolarité, il se rend compte que les adultes manipulent les enfants et que rien n'est vraiment ce qu'il semble être. Donc dans le deuxième livre, Andrew Wiggin est devenu adulte, il est désormais porte-parole des morts et il va enquêter sur Lusitania, la seule planète où cohabitent des humains et une race extraterrestre, les Pidgeys. Il va enquêter sur cette planète puisque des scientifiques qui travaillaient avec les Pidgeys ont été sauvagement assassiné par eux, on ne sait pas pourquoi, alors que jusqu'ici les relations avec cette race extraterrestre pacifique se passaient très bien. Donc dans le troisième tome, celui-ci, Andrew et sa famille se préparent à l'arrivée de la flotte spatiale du Congrès stellaire qui a décidé de détruire Lusitania et tous ses habitants, puisque, comme on le sait depuis le second tome, sur cette planète, il y a un virus mortel pour les humains, la Descolada, mais qui est essentiel pour la survie des Pidgeys, et une faction fanatique de Pidgeys dans le tome 3 a décidé de répandre dans tout l'univers la Descolada, et donc ce qui aboutira à une disparition très rapide de l'humanité. Donc les Lusitaniens,
essaient de préparer une défense de leur planète pour éviter que soit détruite la seule planète sur laquelle cohabitent trois races extraterrestres, et intervient dans cette équation complexe le personnage de Qing Zhao, qui est une jeune fille élue des dieux sur une autre planète au service du Congrès stellaire, qui a décidé de démasquer aussi bien Ender, sa sœur Valentine, et Jane, l'intelligence artificielle qui représente le seul moyen de défense et de contre-attaque des Lusitaniens. Donc cette série de space opéra que je ne cesse de recommander à tout le monde est vraiment excellente. Dans ce troisième tome, il y a toujours autant de questions philosophiques, éthiques, religieuses, scientifiques qui sont posées. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment un vrai page-turner. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais adoré le tome 2, et le tome 3 je l'ai bien aimé aussi, mais moins que le tome 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, il y a une dimension scientifique, ou plutôt, il faut le dire, de science spéculative qui est quand même beaucoup plus importante. Donc, il y a de nombreuses discussions entre les personnages à propos donc de cette des possibilités scientifiques. Et j'avoue que, vous l'avez peut-être compris à travers le livre que je viens de présenter, c'est pas trop mon truc quand il y a des discussions scientifiques. Donc j'ai trouvé ça un peu moins prenant, mais il y a vraiment des passages exceptionnels, et ça a toujours été un plaisir de le lire. C'était pour une fois un petit peu plus gros que les précédents tomes. Par contre, paradoxalement, je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était le dernier tome et je croyais en avoir fini avec cette série, et je découvre qu'en fait il y en a d'autres. Je savais qu'il y en avait 6 en tout dans ce cycle, mais je pensais que voilà, qu'ils parlaient pas forcément de la suite exacte de cette histoire, qu'ils étaient plutôt des préquels, et j'étais décidée à pas les lire. Et en fait non, il reste quand même un quatrième tome à lire, donc à la fois je suis un petit peu déçue de devoir continuer et de pas avoir achevé ce cycle, et en même temps bah, je suis quand même toujours contente de retrouver tous ces personnages et toute la réflexion que nous propose l'auteur. Donc c'était Le cycle d'Under, tome 3, Xénocide, d'Orson Scott Card. Les livres suivants dont je vais vous parler, ce sont les tomes 1 et 2 de la série Blackwater de Michael McDowell. On me les avait prêtés, je les ai rendus, je ne peux pas vous les montrer. C'est un auteur américain né en 1950 et mort en 1999. Il était à la fois scénariste et auteur de littérature policière, fantastique, voire d'horreur. Et il se revendiquait complètement d'une littérature commerciale et avait pour cela une écriture extrêmement efficace. C'était vraiment ce qu'il recherchait le plus. Cette série de livres a été publiée en 1983 aux États-Unis et n'avait jamais été publiée en France depuis. Et c'était chose faite en 2022. Les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, une maison d'édition indépendante, ont frappé un grand coup marketing avec la publication de cette série, puisque d'abord ils ont publié les 6 tomes avec chacun 2 semaines d'intervalle au printemps. Ils ont également proposé des couvertures magnifiques d'un artiste espagnol qui s'appelle Pedro Oyarbid, je crois. Je vous mettrai son nom soit sur la vidéo, soit en description. Et on fait énormément de communication dessus, ce qui fait que tous ces ingrédients réunis en ont fait la série de livres à lire l'été 2022. C'est vraiment une politique particulière de la part des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Ils publient assez peu de livres dans l'année, mais ils concentrent tous leurs efforts sur leur publication. Je leur tire mon chapeau parce que visiblement ça a été une grande réussite pour eux, tant mieux, c'est une maison d'édition indépendante. Cette série se passe aux États-Unis dans les années 1920 et se situe au sud des États-Unis, donc il y a une ambiance de ce qu'on appelle le Southern Gothic. Dans cette histoire, une crue a ravagé la ville de Perdido dans l'Alabama, alors que toute la ville est occupée à tout reconstruire, chapeauté pour cela par les 3 familles qui exploitent les scieries et la forêt alentour. Un personnage mystérieux, Elinor, surgit et s'immisce dans la famille Casquet, une des 3 familles exploitant le bois. Et c'est un personnage très mystérieux, elle charrie autour d'elle un certain nombre de
de phénomènes plus ou moins surnaturels. Et elle cristallise aussi bien, elle cristallise les passions autour d'elle et particulièrement dans la famille Casquet, puisque certains l'adorent et d'autres au contraire la détestent. Dans le deuxième tome, il est décidé pour éviter une prochaine crue de construire une digue afin de canaliser les deux fleuves qui se retrouvent à Perdido, donc c'est la Perdido et Blackwater. Et Elinor est particulièrement opposée à la construction de cette digue et donc met tout en œuvre pour que ce projet échoue. C'est une écriture qui est vraiment très visuelle, qui est très cinématographique. On se souvient que l'auteur était scénariste. C'est vraiment un page-turner, c'est complètement addictif. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Pour autant, les défauts majeurs que j'ai trouvés à ce livre, c'est que d'abord, il y a une faible profondeur psychologique des personnages. On m'a dit que ça s'améliorait dans la suite de la série Je demande à voir. Ensuite, il y a des personnages esclaves dans l'histoire, et même si certains peuvent regretter le traitement qui leur est fait, finalement, l'esclavage est assez mollement dénoncé. Après, c'était pas forcément le propos de l'auteur, ça peut s'entendre, mais j'ai trouvé que c'était dommage que ça aurait gagné en densité s'il y avait eu cette dimension-là. Et ensuite, j'ai trouvé à titre personnel qu'il y avait une petite complaisance dans le trash, puisque la mort de certains personnages est particulièrement visuelle et particulièrement morbide. Mais il faut se souvenir que c'est un auteur de littérature horrifique, donc ça peut se comprendre, mais moi qui n'aime pas du tout l'horreur en littérature, en cinéma, etc., je n'étais pas toujours très à l'aise. Mais vraiment, c'est un léger détail et c'est extrêmement personnel. Globalement, c'est une série qui est vraiment très sympathique et ce qui se lit très vite. Par contre, on va être honnête, c'est pas un chef-d'œuvre. Moi, le terme que j'utilise pour le qualifier, c'est oubliable, donc ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est très sympa à lire, on est très content de le lire. Après, ça reste pas dans les annales. Quand on le lit, on est très content, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est incroyable !» Et quand on a fini de le lire, en fait, on n'y pense plus du tout. Après, c'est pas grave, hein, ça fait aussi partie de la lecture. Il y a certaines lectures qui sont incroyables et qui vous marquent à vie, et d'autres, au contraire, qu'on oublie très facilement. Et en ce qui me concerne, Blackwater, a priori, en fera partie. Après, pour l'instant, je n'ai lu que 2 tomes sur 6. J'envisageais à la lecture des 2 premiers tomes de m'arrêter à la fin de chaque tome, mais l'auteur est très fort puisqu'il arrive à faire à chaque fois une fin qui vraiment nous tient en haleine et on se dit « Non mais quand même, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, allez, je lis la suite. » Donc c'était les 2 premiers tomes de la série Blackwater de Michael McDowell. Bon, j'espère que je suis toujours visible parce que la luminosité est en train de baisser, c'est ça de tourner au mois de novembre, et j'espère que je ne suis pas trop dans le noir. Si c'est le cas, j'en suis désolée, j'allumerai peut-être la lumière après. Donc, cette luminosité est parfaite pour le livre dont je vais vous parler, il s'agit des Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe, que j'ai lu également dans le cadre de... du Literatum gothique de Nabolita, puisqu'il s'agissait là de la lecture commune qu'elle proposait. Avant de commencer, j'en avais une vision finalement un peu négative d'Anne Radcliffe que je n'avais encore jamais lue, puisqu'elle a souvent été moquée, voire parodiée, notamment dans un livre que j'aime énormément, Northanger Abbey de Jane Austen. Mais pour autant, je me doutais bien en le lisant que j'allais à la fois être confrontée à une très belle écriture, puisque à l'époque l'écriture était particulièrement ciselée et j'aime beaucoup l'écriture du 18e et du 19e siècle, mais également que ça serait une histoire très prenante, puisque c'était vraiment le retour que faisaient tous les lecteurs depuis sa publication, c'est que c'était un livre très prenant. Et effectivement, de ce point de vue, je n'ai pas été déçue. J'ai également été très agréablement surprise puisque c'était un livre avec de très très belles descriptions. Ces descriptions sont très visuelles, il y a beaucoup de couleurs, ce qui donne en fait un ensemble très chatoyant. Je me suis noté beaucoup beaucoup de belles descriptions. Je vais vous en lire une rapide pour que vous ayez un aperçu. « Il était tard quand ils descendirent les belles hauteurs qui bordent le Roussillon.
Cette charmante province est enclavée dans leurs barrières majestueuses et n'est ouverte que du côté de la mer. L'aspect de la culture embellissait au fond le paysage et la plaine se colorait des plus riches nuances, et telles que le luxe du climat et l'industrie des habitants pouvaient partout les faire éclore. Des bosquets d'orangers et de citronniers parfumaient l'air, leurs fruits déjà mûrs se balançaient dans le feuillage, et des coteaux en pente douce étalaient les plus beaux raisins. Plus loin, des bois, des pâturages, des villes, des hameaux, la mer, dont la surface brillante laissait flotter des voiles éparses, un couchant étincelant de pourpre. Ce passage, au milieu des montagnes qui le bordaient, formait la parfaite union de l'aimable et du sublime. C'était la beauté dormant au sein de l'horreur. Dans cette histoire, on suit le personnage d'Émilie Saint-Aubert, une jeune fille qui a été élevée dans un cadre très paisible des Pyrénées avec ses parents, deux personnes très aimantes qui l'ont élevée de manière vertueuse mais également simple. Sa vie idyllique se termine lorsque sa mère meurt et son père affaibli doit faire un voyage dans les Pyrénées pour recouvrer la santé. À cette occasion, elle rencontre un jeune homme dont elle tombe amoureuse, le seigneur Valancourt, qui lui aussi tombe amoureux. Pendant ce voyage, le père d'Émilie meurt et Émilie doit aller vivre chez sa tante, qui est une femme beaucoup plus mondaine et avec qui Émilie ne s'entend pas. Mais sa tante se remarie avec un seigneur italien, le dénommé Montoni, qui, sous des abords aimables et courtisans, est en fait un homme très cruel et très possessif, qui les emmène toutes les deux vivre dans son château italien, donc le château d'Udolph, qui donne son titre au livre. Et dans ce château, il fait du chantage à Émilie et à sa tante. Il veut que Émilie lui cède tous ses biens et toutes ses propriétés et la retient prisonnière afin de faire pression sur elle. Donc Émilie est confrontée à ce seigneur cruel à la merci duquel elle est, et elle va également visiter le château dans lequel elle est enfermée, un château qui recèle de nombreux mystères et beaucoup d'horreurs. Je vais vous lire un petit extrait pour vous montrer les épreuves auxquelles fait face Émilie. Quand elle fut seule, ses pensées se reportèrent sur l'étrange histoire de la signora Laurentini et ensuite sur la situation où elle se trouvait elle-même dans ce terrible château, au milieu des déserts et des montagnes, en pays étranger, sous la domination d'un homme que, peu de mois auparavant, elle ne connaissait pas, dont elle avait déjà ressenti un cruel abus d'autorité et dont elle considérait le caractère avec un degré d'horreur que justifiait la crainte générale qui l'inspirait. Elle savait qu'il avait un courage égal à son génie et à ses talents pour l'exécution de ses projets. Elle craignait bien qu'il n'eût le cœur trop vide de sentiments pour qu'aucune considération dérangeât les calculs de son intérêt. Elle observait depuis longtemps le malheur de Madame Montoni. Elle avait souvent été témoin de la conduite sèche et méprisante de son époux envers elle. À tant de circonstances qui lui causaient de si justes alarmes, se joignaient maintenant mille terreurs sans nom, qu'une ardente imagination peut seule faire naître et qui défient la raison et la réflexion. Ce livre-ci est vraiment représentatif du genre gothique qui s'inscrit dans le romantisme naissant dont on retrouve bien des caractéristiques ici. On retrouve notamment beaucoup de contrastes dans les couleurs, dans les situations, dans les personnages. La pureté d'Émilie contre la cruauté du seigneur Montoni, la couleur des paysages contre l'ombre et la noirceur du château, etc. Il y a également une forte dimension, une forte esthétique sentimentale qui est héritée du livre qui a énormément frappé à son époque, La Nouvelle Héloïse, qui a été écrit au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau et qui a profondément influencé la littérature. Cette dimension sentimentale est très forte, ce qui fait que les personnages pleurent beaucoup, s'évanouissent beaucoup. C'est assez risible.
Je regrette de ne pas avoir noté combien de fois les gens se mettent à pleurer ou bien s'évanouissent, mais je pense qu'on arriverait à quand même peut-être une centaine de fois. Il y a une scène par exemple où le seigneur Valancourt en fait veut convaincre Émilie de s'enfuir avec lui et de l'épouser secrètement afin d'échapper à Montoni qui menace de l'emmener avec lui en Italie, et Émilie se refuse en fait à contracter ce mariage secret, ce qui causerait le scandale. Et Valancourt essaie de la convaincre avec force, larmes et cris. Donc je vous lis un passage. Cette réflexion attendrit singulièrement Valancourt. Mais bientôt, revenant à la crainte, il ne se sentit plus que pour lui-même et déplora l'horreur de la séparation. Sa voix et ses paroles étaient si passionnées qu'Émilie, ne pouvant plus contenir sa propre douleur, cessa de réprimer la sienne. Valancourt, dans ses déchirements d'amour et de pitié, perdit le pouvoir et presque la volonté de mépriser son agitation. Dans l'intervalle de ses soupirs convulsifs, il recueillait les larmes d'Émilie avec ses lèvres, puis il lui disait avec cruauté que jamais peut-être elle ne pleurerait plus pour lui. Il essaya ensuite de parler avec plus de calme, mais ne put que s'écrier « Oh, Émilie, mon cœur se brisera, je ne puis vous quitter. À présent, je vous vois, à présent, je vous tiens dans mes bras. Encore quelques moments, et ce ne sera plus qu'un songe. Je regarderai, et je ne vous verrai point. J'essaierai de recueillir vos traits, et l'imagination affaiblira votre image. J'écouterai vos accents, et ma mémoire même les taira. Je ne puis, non, je ne puis vous quitter. Pourquoi confierions-nous le bonheur de notre vie à la volonté de ceux qui n'ont pas le droit de le détruire et qui ne peuvent y contribuer qu'en vous donnant à moi? Oh, Émilie, osez vous fier à votre cœur, osez être à moi pour toujours. » Ce qui est à noter aussi dans ce livre, c'est qu'il y a une faible profondeur psychologique des personnages qui sont un peu tous d'un seul tenant, la jeune fille pure, le seigneur cruel, etc. J'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très sympathique et très réjouissante. C'était un peu ridicule parfois, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si je lirai d'autres livres de cette autrice, mais en tout cas, ça m'a bien plu. C'était vraiment... c'était très agréable. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo thématique. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre. Après, Nabolita a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Certaines ne sont peut-être pas accessibles à tout le monde. Certaines sont peut-être juste réservées aux membres, mais en tout cas, elle a fait beaucoup de choses sur le gothique qui permettent vraiment d'éclairer la lecture de ce livre. Donc je risque d'être redondante et bien moins intéressante qu'elle. Je vous invite à aller voir. Mais ça m'a bien plu et je participerai à nouveau à ce littérathon gothique qui m'a bien plu. Bon, ça y est, j'ai allumé la lumière. J'aime moins quand il y a la lumière, mais là, sinon, c'était ridicule. J'étais vraiment beaucoup trop dans l'ombre. Donc le dernier livre dont je vais parler, en fait, c'est une anthologie. Il s'agit de La Pléiade, Dracula et autres écrits vampiriques. Dans cette anthologie, on retrouve plusieurs récits qui en fait permettent de fonder le mythe du vampire à travers le 19e siècle, même si le premier a été écrit à la fin du 18e siècle. Et il se compose aussi bien de poèmes que de nouvelles ou romans. En toute honnêteté, ça nécessiterait en fait une vidéo à part entière, ce livre, donc je vais pas en parler trop en détail. Je me garde sous le coude de cette idée de vidéo. Je vais vous indiquer toutes les histoires qu'on trouve ici. D'abord, c'est le poème Christabel de Samuel Taylor Coleridge, qui a écrit ce poème inachevé à la fin du 18e siècle et qui ne l'a publié que en 1816. C'est un poème qui a beaucoup impressionné Lord Byron et qui raconte ici l'histoire de Christabel, une jeune femme pure et innocente qui prend sous son aile une jeune femme mystérieuse, Géraldine, qui essayait vraisemblablement d'échapper à des bandits, mais Christabel se rend compte petit à petit que Géraldine en fait est sans doute une figure démoniaque, puisque elle a sous ses atours de jeune femme en fait elle a un corps en décrépitude.
Et elle lance des sorts aussi, notamment elle empêche Christabel de pouvoir indiquer qu'elle est maléfique. La seconde histoire, c'est un récit fameux quand on s'intéresse un peu à la figure du vampire en littérature. C'est le vampire de Polidori. Le vampire est une histoire écrite par John Polidori, le secrétaire de Lord Byron, à travers des notes que Byron avait écrites. D'ailleurs, ces notes sont appelées fragments et sont publiées juste après Le vampire de Polidori. Et dans, en fait, le récit de Polidori, on suit Lord Ruthven, un homme de la haute société qui est très mystérieux et qui, chaque fois qu'il se lie avec une personne, cette personne ensuite soit devient malade et meurt, soit subit une forme de déchéance sociale, économique, etc. Donc un jeune homme s'intéresse à Lord Ruthven et décide de le suivre pour comprendre quelle est la nature de cette personne. Donc c'est un récit que j'ai bien aimé, qui était très plaisant à lire. Ensuite, donc je vous ai parlé du fragment. Ensuite, on a un autre récit très fameux de la mythologie vampirique, c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu, un récit qui a beaucoup inspiré Bram Stoker pour son Dracula. Dans Carmilla, on suit également une jeune femme qui prend sous son aile une mystérieuse jeune fille qui est confiée aux bons soins de son père par sa mère. Et cette jeune personne se lie particulièrement avec l'héroïne et développe avec elle une relation assez trouble. Par ailleurs, c'est un personnage qui est ouvertement lesbien et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnages. Le vampire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on le voit dans ce tome, est très souvent féminin et il y a une forte dimension érotique et également lesbienne dans la figure du vampire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ignorais, que je trouvais très intéressant. Ensuite, évidemment, le récit le plus long qui suit Carmilla, c'est Dracula de Bram Stoker, que moi je n'avais encore jamais lu et donc j'étais contente de découvrir. Dracula, c'est un roman épistolaire où alternent des lettres que s'envoient les personnes, leurs journaux intimes, parfois des articles de presse. Donc moi j'aime beaucoup les romans épistolaires et j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était bien mené. L'écriture est très très belle. Après j'ai trouvé que c'était un peu brouillon et que certaines situations duraient un peu trop longtemps. Mais si je fais une vidéo consacrée à la figure du vampire avec ce livre à l'appui, j'en parlerai certainement plus. Globalement, c'était une bonne lecture, même si je n'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais pensé. Enfin, le dernier roman qui se lisait très facilement s'appelait Le sang du vampire de Florence Maria. C'est la première fois que ce roman est traduit en français. Et dans ce roman, on suit un vampire qui est complètement différent de tout ce qu'on a pu lire auparavant, parce qu'auparavant, le vampire, c'est toujours un être assez maléfique, qui nuit aux autres, qui a des mauvaises intentions, alors que justement dans Le sang du vampire, le personnage vampirique est une jeune femme, Harriet Brandt, qui est très désireuse de s'intégrer à la bonne société, qui est complètement ignorante du pouvoir néfaste qu'elle a sur les gens, mais qui pour autant sème des morts autour d'elle sans s'en apercevoir. Enfin, il y a également deux petits extraits. T'as là-bas le destructeur d'un auteur dont je me souviens plus le nom que je mettrai, et le Giaour, donc un extrait de poème de Lord Byron. C'était vraiment très intéressant comme anthologie pour se plonger vraiment dans la figure du vampire, pour aborder le Litteraton gothique de Nabolita, c'était vraiment la lecture parfaite. Après, ça m'a pris un mois quand même à tout lire, parce que je suis toujours un petit peu longue à lire les Pléiades. C'était vraiment intéressant, ça m'a donné envie d'approfondir le personnage du vampire. Je pense qu'il y aurait tellement à dire et tellement à analyser que ça mériterait vraiment une autre vidéo, mais ça il faut que j'y travaille parce que ça demanderait pas mal de travail, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je vous rappelle les livres dont j'ai parlé ici. Tout d'abord, Le Moulin sur la Flosse
de George Eliot, Les Abysses de River Solomon, les tomes 1 et 2 de la série Blackwater de Michael McDowell, le cycle d'Under tome 3 Xenocide d'Orson Scott Card, Les Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe, et enfin Dracula et autres écrits vampiriques publiés dans la Pléiade. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures. Thank you.